Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est Noxy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première OP de cette chaîne. Effectivement, aujourd'hui, c'est Electronic Arts qui sponsorise cette vidéo, alors je les remercie énormément. Sachant que ce jeu, j'en avais déjà entendu parler et que c'est le genre de jeu que je kiffe total. Donc vraiment, c'est trop cool. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Rocket Arena. Donc c'est leur tout nouveau jeu qui, à l'heure actuelle, est sorti. Ce qui est trop cool, c'est que je vais complètement découvrir le jeu en même temps que vous. Donc on est exactement au même niveau. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu multijoueur en 3 contre 3 où vous incarnez des personnages avec des roquettes en fait. Chaque personnage a des roquettes différentes, etc. Des capacités différentes. Bon, on connaît un petit peu les mécanismes un peu. Alors, bienvenue dans Rocket Arena. Apprenons les bases. Se déplacer, regarder, recharger, tir primaire. Donc là, on a les tirs pour tirer. Ah, attends, il y a un triple saut. Ok, il y a un triple saut. Putain, ça, c'est stylé ça. Ah ouais, mais what the fuck. Mais le gap. Wouh. Vous pouvez sauter jusqu'à 3 fois. Oui, je le savais. Je le savais. Ça va trop vite. Je découvre déjà le jeu avant même la découverte du jeu. Tirez à vos pieds pour faire un saut roquette. Ok, mon pote, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Hop. Putain, c'est stylé. Ah mais trop bien, mais trop stylé. Attends, mais le gars peut escalader un mur juste en tirant avec les roquettes, c'est incroyable. Utilisez l'aptitude esquive pour éviter les roquettes ennemies ou arrêter l'étourdissement. Oh, je suis chaud. Roquette esquive, et alors ça dit quoi là? Allez, vas-y. Hop là. Alors, ça dit quoi mon pote là? Ça se pète à quelle heure? Touchez vos adversaires pour faire monter leur explomètre. Plus leur explomètre est haut, plus ils voleront moins. Ah oui, d'accord, ok. C'est un espèce de petit système à la Smash Bros. Et plus tu leur mets de dégâts en fait, plus ils vont être aptes à se prendre des attaques du feu. Utilisez les aptitudes secondaires et spéciales propres à chaque compétiteur. C'est un peu comme Plants vs Zombies. Je sais pas s'il y en a qui jouaient à Plants vs Zombies, le TPS là. Electronic Arts aussi, hein. C'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'on a plusieurs persos et chaque personnage a 3 aptitudes différentes. Appuyez sur E pour utiliser un boost de vitesse. Ok, d'accord, ouais, donc là c'est pour. Ok, bah, c'est juste pour être plus rapide. Regardez ça, regardez. Attention. Ouah, mais mon pote, toi je vais t'emmener. BAM! Ça dit quoi là? Aptitude secondaire. Ah, attends, aptitude. Waouh! Ah, mais attends, j'ai une espèce de mitraillette en fait. Oh, j'ai trop envie d'aller en ligne là. Ok, lancer de bombe. Ouais, mais c'est vraiment comme dans Plants vs Zombies, hein. T'as un peu les mêmes aptitudes et tout, c'est vraiment stylé. Genre, si jamais je suis dans la merde, hop là, bam. Oh là là, non mais sans déconner. Mais hé, je connais déjà tout le jeu. Merci d'avoir rejoint le championnat de tournoi Rocket. Explorez le monde de cratères avec vos amis en utilisant la fonctionnalité crossplay. Ah, donc le jeu est crossplay, ça c'est trop cool. Ok, donc il y a un mode classé. Il y a un mode coop aussi. Ça, c'est tous les différents héros qu'on peut avoir. Là, attendez. Je suis en train de parler dans le chat depuis tout à l'heure là. Heureusement qu'il y a personne, parce que si vraiment il y a des gens, je tombe contre des gens, tu vois. Et ils m'entendent en train de faire ma vidéo, les gars, ils vont être là en mode. Oh, tu vas la fermer, oui ou pas là? Amphora, niveau 1. Ah, on peut les faire évoluer, ils ont différents niveaux. Alors ça, c'est trop cool parce que. Attendez. Depuis que j'ai goûté au jeu multijoueur, il y a 10 ans maintenant, je suis devenu un accro au jeu avec des niveaux. Vraiment, je vous jure. Frérot, Jaito, je vais le faire monter niveau maximum. Juste parce que j'adore faire monter les trucs au niveau max. D'ailleurs, dans la description, il y aura un petit lien pour le télécharger. Si jamais le jeu il vous plaît, vous pourrez l'acheter sans problème. Donc là, du coup, je pense que je vais jouer avec des bots pour une première partie. Je pense que c'est une sorte de partie d'entraînement. On commence sur le jeu, donc à tout moment, on est vraiment une queue. Hein. En tout cas, j'en profite pour vous dire que c'est trop cool que j'ai cette chaîne secondaire gaming. Parce que de base, je faisais vraiment des vidéos gaming. Ça me manquait de ouf. Et je pouvais pas faire ça sur ma chaîne principale. En plus de ça, je peux faire des OP gaming et tout, où je découvre des nouveaux jeux, je trouve ça incroyable, voilà. Ok, donc sélectionner un compétiteur, on va lui Barbablast. Ah, mais il y a un train qui passe, hein, il faut faire gaffe, hein. Ah ouais, Barbablast, il envoie des roquettes, mais des grosses. Waouh, ah ouais, mon pote. Ah, mon pote. Ah, mais c'est trop stylé. Lui, on va se le faire, lui. Ah, c'est. Ah, méga explosion. Yes, je l'ai mis KO. Mais oui, je suis con, il y a mon micro qui me cache mes aptitudes, donc du coup, je les utilise pas. Attends, donc là, on a un espèce de gros crochet. Alors, je vais tester ça. C'est quoi? What the fuck, c'était quoi? Oh, attends. Oh, la bombe, là. Oh, regardez ça. Oh, la bombe, elle fait pas tant de dégâts que ça, mais vraiment, j'étais à deux doigts de faire un triple KO, là. Oh, ça aurait été incroyable. Vraiment, ça aurait été insane. J'ai quoi? Et A, c'est quoi? A, c'est l'esquive, ok. Bon, je pense qu'à mon avis, chaque perso doit avoir l'esquive. Ok, putain, en vrai, c'est cool, hein, c'est vraiment stylé. Je le prends un peu mal de me dire qu'on est en train de jouer contre des bots et on est quand même à 8-4, quoi. Enfin, bon. En général, quand tu joues contre des bots, c'est vraiment en mode, c'est pas 8-4 qu'il y a, c'est genre 8-1. En fait, ce qui est cool, c'est que tu sens que c'est un jeu où il faut. Alors, tu peux te la jouer bourrin, etc. Mais c'est quand même un jeu un peu strat, tu vois. Genre, tu peux te la jouer strat de ouf. Mine de rien, taper des esquives, il faut vraiment pré-shot la roquette de l'ennemi. Et honnêtement, bah, c'est chaud, quoi. Donc, on va lancer en arène. Donc, apparemment, bah, tu peux jouer avec tes potes à 3. Donc, tu peux faire une team de 3, c'est cool. Ok, donc tu peux changer sa tenue. Ah ouais, bah attends, mais frérot. Oh, mais il est. Waouh, mais il est 100 fois plus stylé comme ça. Oh putain, Plink. Il a l'air stylé de ouf. Oh, ah ouais, lui, il tire. Ah, il tire en mitraillette, lui. Hein. Là, il doit. Je dois recharger. Ah ouais, là, c'est un bordel. Hein. Ah, mais attends, reviens. Ah non, il m'a mis KO. Il a l'air d'avoir une balle en plein milieu de la zone, en fait. Il faut qu'on chope la balle et tout simplement qu'on mette un but, quoi. Oh, je vais le shooter, Barbablast. En vrai, je peux carrément me faire le Barbablast, là. Il est où? Oh.
Non, non. Ah ouais, non, mais il m'a claqué, hein. Non, 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 mais attends, 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 Barba Blast, là, au bout d'un moment. Oh, frérot. Oh. Ah, il me claque. Ensuite, droite, c'est quoi ça? Ah, c'est un espèce de boomerang, très bien, qui se recharge assez rapidement en plus. Et mage G, téléportation. J'appuie sur la même touche pour monter. Ok. On peut se le faire, on peut se le faire, on peut se le faire. Oh, oh oui, 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 le boomerang, je lui ai jeté. Le boomerang, encore, encore, encore. Oh non, non, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Méga explosion, je l'ai mis KO ou pas? C'est officiel, c'est mon premier kill dans Rocket Arena. Sur un vrai joueur. J'ai la balle, j'ai la balle, j'ai la balle, j'ai la balle. Ramassez, ramassez, je l'ai. Non. Oh non, j'allais l'avoir. On va aller en classer, on cherche pas, moi je vais aller en classer. J'ai trop envie de prendre lui la top notch. Lui, je pense que ça a l'air d'être un gars classique et tout. Il a pas trop de pouvoir magique. Il est bien, tu vois. Je peux me faire Barba Blast? Je peux me faire Barba Blast en vrai? Je peux, je suis sûr que je peux. Aïe 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 aïe. Ah non, il m'a mis KO, il m'a mis KO de ouf. L'espèce de grosse fusée là. Ah c'est ça là, ah c'est ça. Ok, c'est une fusée automatique. Ah bah mais les gars là aussi, ils étaient deux sur moi, ils m'ont foncé. Enfin, je... qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils savent que je suis en train de faire une vidéo et ils se sont dit, eh viens, on va le lyncher pour se foutre de sa gueule. Ah, avec lui, je peux m'envoler, il a une espèce de jetpack. Oh, 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 je peux me le faire, oui, oui, encore un coup, je me le fais. Oh non, je suis dégoûté. Je suis deg, vraiment, on était à deux doigts de l'avoir, vraiment. Oh lui, je me le fais, je me le fais, je me le fais. La roquette, regardez ça. Incroyable. Mais l'esquive, en vrai, elle est grave utile, tu vois. Genre, c'est... Franchement, c'est tactique de ouf, hein. Roquette esquivée, stylé. Je peux me le faire, je peux me le faire, je peux me le faire, je peux me le... Oh non, assistance au chaos, mais... C'est pas des assistances que je veux, les gars, hein. Ah merde, bah oui, je suis con en fait, oui. Ah bah forcément, si je mets une attaque sur moi, bah je me la prends aussi. Ça y est, alors là, mon pote, là tu m'échapperas pas, mon gars. Là, mon pote, là, je suis désolé, mais tu vas y passer, voilà. Mais comment ça? Comment ça, assistance KO? Mais arrêtez de me faire des assistances KO. Je... Hey, NK, NKA, là. Franchement, t'es mon pote, mais tu l'es pas vraiment de ouf, quoi. Alors, Valentin, c'est passé comment ta première partie en classé? On va aller dans le truc d'entraînement pour tester un peu les héros. On va voir un petit peu tous ce qu'ils peuvent avoir. Vas-y, on va prendre Amphora. Amphora, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure, j'ai envie de tester. Alors, Amphora, déjà, elle tire à l'infini. Ah d'accord, c'est parce qu'elle fait des... elle fait des tirs chargés. Niveau aptitude, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce qu'elle lance, on dirait des espèces de bulles d'eau ou des bulles... Bon, en tout cas, des espèces de bulles, des bombes, quoi. Et ensuite, la giclée, comme ça. Je sais pas ce que... Ah! C'est elle qui fait l'arrêt! C'est elle! Et après, je crois que tu peux... Ah ouais, ah ça c'est lourd, hein. On va en tester juste un autre, tu vois, histoire de savoir un peu les différents points. Ah, boum, boum, de ouf. Merde, ça c'est bon, bah ça sera rêve. Ah, elle a un espèce de truc volant, elle. Ah, j'ai l'impression que ça la fait quand même avancer plus vite par rapport à un perso normal. Wow. Ouais, gros. Bon, hey, y'a un poteau rentrant là, je suis désolé. Ensuite, mage G. Ah, ok, d'accord, c'est pour aller vraiment genre plus vite, quoi. Attention, coup de pied avec planche, 3, 2, 1, let's go. Ah ouais, ça donne un petit coup quand même, hein. Maintenant que je suis un peu plus chaud là, on va retourner en classé, on va voir. Ouais, non, moi c'était lui là que je voulais tester. En plus, il a l'air d'avoir un espèce de canon sniper stylé. Bon, tu vois, par exemple là, mon équipe, je sais qu'on va perdre, hein. Clairement, personne choisit les mêmes persos dans une équipe comme ça. Ah, ok, ça va, ils ont été intelligents, ils ont changé au dernier moment. Ah, ou alors c'est parce qu'en fait, t'es obligé d'avoir. Tu peux pas prendre le même perso peut-être. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un KO, un KO. Non, 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 j'étais à deux doigts de faire un KO, je suis dégueu. Mais là, 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 oui, oui, je vais en faire un. La double! Oh, alors là, je suis fier de moi, là. Là, je suis fier de moi, parce que autant les parties d'avant, j'étais pas fort. Mais là, autant j'ai fait la double. Capturer la méga roquette. Ah ouais, d'accord, il faut capturer 5 méga roquettes pour gagner. Ils en ont capturé 2 déjà. Ah bah, ils vont en capturer 3, tiens. Mais encore une fois, il y a un Barba Blast en face. Hein. Barba Blast, moi, je pense que c'est le meilleur joueur du truc. Hein. Laissez-moi, laissez-moi, je vous dis, là, laissez-moi. Oh! Oh, laissez-moi! Je vais aller jouer avec les bots, hein. Oh, Barba Blast, je peux me le faire, je peux me le... Ah, franchement, moi, je kiffe. C'est vraiment un petit univers cool, tu vois. Oh, je vais le mettre KO, je vais le mettre KO, je vais le mettre KO, je vais le mettre KO. Il est pour moi, mon pote. Truc cool, c'est que les parties sont très rapides, hein. Attends, mais je comprends pas, il faut marquer ou alors il faut la déposer? Tiens, bam, allez, hop, KO, on n'en parle plus. Ah, il faut, il faut la déposer, apparemment. Ah, mais c'est lui, là, qu'il faut mettre KO, c'est lui qui a la balle. Attendez, je la prends. Ah, c'est ok, super, il l'a pris. Allez, 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 lui, allez, hop, méga explosion, on ramasse la balle. Non, toujours pas, hein, vraiment, mon coéquipier ne veut pas que j'ai la balle, quoi. Ça, c'est par contre, c'est vraiment incroyable, hein. Je suis à 5 KO, mais gros, mais bien sûr que Barba Blast, il est fou. Ah, mais j'utilise jamais mon... Ah ouais, mais en plus, c'est puissant de ouf. Oh, mais la balle, elle est juste... Oh non, elle est là. On a marqué ou pas? Yes! Putain, c'est trop cool. Tu vois, quand tu commences un petit peu à comprendre les bases, à commencer à savoir jouer et tout, et surtout quand tu connais les persos, parce que là c'est une OP, donc du coup, j'essaie un peu de vous montrer un petit peu tous les persos avec lesquels on peut jouer et tout. C'est quand même intéressant. Forcément, tu vois, je peux pas jouer dans le meilleur truc. Ah non, je l'ai raté! Allez hop, ça part! Double KO, tu vas faire quoi? Là, ils sont en train de respawn, donc du coup, on a grave le temps. Toi, je te mets ça. On a marqué, on a gagné. Allez là!
Forteresse des glaces. Pareil, cette map aussi, elle a l'air stylée. Vas-y, Aizel, elle a l'air cool. Elle a un espèce de sabre là. Je sais pas à quoi ça sert, mais je pense que ça sert à enfourner des ennemis sales. Ok, donc là, on est 3 joueurs et apparemment, bah, on a 30 bots roquettes à tuer, j'ai l'impression. Elle a un espèce de boom. Oh, il va loin. On dirait qu'elle a un espèce de boomerang. Ensuite, la mage G, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? C'est quoi? Ah ouais, d'accord, ok, c'est pour faire une énorme poussée en avant. Bon, du coup, là, clairement, mes alliés doivent se dire, putain, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui, niveau quoi. Ah ouais, non, c'est quand même efficace. Bah écoutez, c'était tout pour le jeu de Rocket Arena. Je vous rappelle, le lien est dans la description si vous voulez télécharger ou même si vous avez juste envie de cliquer sur le lien, voir les infos, etc., le mettre de côté ou quoi que ce soit. Le jeu s'appelle Rocket Arena, il est disponible sur Xbox, sur PC, sur PS4. C'était vraiment trop cool d'avoir fait cette petite vidéo de découverte sur ce jeu parce que c'est un jeu vraiment chill, grave cool, vraiment les... sans prise de tête, trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. Je vous rappelle quand même que cette chaîne est surtout liée à mon Twitch de base et qu'on fait pas mal de streams. Donc si vous n'êtes pas encore sur Twitch, le lien est en description, allez vous abonner. Merci encore une fois à Electronic Arts d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mesdames et messieurs, c'était Neoxy. Ciao tout le monde!